Il y a deux univers de la production. Vous avez la production de valeurs d'usage. Ça, c'est le travail concret qui va produire tel bien et service. Et puis, pour une partie de cette activité de travail concret, la production de valeurs économiques. Si je fais un café entre amis, je produis une valeur d'usage. Si je le fais comme salarié d'un restaurateur, je produis la même valeur d'usage et une valeur économique. C'est l'autre univers de la production, celui de la valeur économique. Toute activité, si elle s'inscrit dans la valeur économique, a donc deux faces, une face de valeur d'usage, une face de valeur économique, une face de travail abstrait, une face de travail concret. La valeur économique est une convention qui dépend de l'évolution historique de ce conflit de pouvoir dans le partage entre ce qui, dans les valeurs d'usage, a ou pas valeur. La valeur économique, c'est l'enjeu de la lutte de classe parce qu'elle est l'objet d'un conflit irréductible qui définit la valeur, qui mesure la valeur, qui décide de la production de la valeur, qui dit ce qui a valeur et ce qui n'a pas valeur, a le pouvoir. Et en particulier le pouvoir de ponctionner une partie de la valeur produite par le travail d'autrui. Et toutes les sociétés reposent sur ce conflit de pouvoir entre ceux qui ponctionnent une partie de la valeur économique et ceux qui la produisent sans la maîtriser.